cette vidéo alors que je me trouve sur la venue principale de la Croisette Festival de Cannes. Ici, on se retrouve devant les marches du Palais des Festivals. Alors on va essayer d'interviewer un petit peu, prendre la mesure, l'ambiance, que se passe-t-il à Cannes cette année pour le Festival 2024. Vous vous appelez comment, monsieur? Et vous? En français? Et oui, je suis français. On va avoir la discussion. Super. Alors, dites-moi, vous pensez quoi du Festival de Cannes? Ben, nous, on arrive là. Encore, on a vu que la cérémonie d'ouverture, donc bon. Et ça s'est bien passé? Ah oui, c'est bien. C'est chouette, c'est intéressant. C'est beau. Ok. Et quel film retient votre attention cette année? Les films, je ne sais pas. Par contre, le festival à mon âge. Ah, c'est-à-dire 77. Ok, j'aurais pas posé la question. Mais je vous le dis, moi. Très bien, 7-7 normalement, double chiffre porte-bonheur. 7-7, oui. Ça ah oui, il manque le troisième pour le casino. Donc voilà, moi par exemple, je suis acteur, mais je suis pas au festival du Cannes. Oui, voilà, c'est ça. Quand on n'est pas connu, ça sert à rien. Ouais. Quand on n'a pas de notoriété. On va dire que c'est ça. Bien. Bon, bah en tout cas, l'ambiance est bonne. Ah, super. Hein, c'est sympa, c'est gentil. Ah oui, moi je trouve. C'est pas l'enfant. Les gens sont sympas, oui. Oui, c'est cool. Vous faites pas votre règle. C'est vrai? C'est bien. Vous êtes dans la vidéo, monsieur. Et vous êtes fameux ou pas? Famous. Madame FME? FME. FME. Qui est-elle? On m'a dit, t'as pris une petite interview, elle va être contente. Vous pensez? Ben oui. Hey, bonjour, hello. Bonjour. Yes. Are you, you're famous? I play in this movie, Yes, Ah, c'est la star du cinéma, ça. Comment il s'appelle? Dakota. Comment? Dakota. Ah, c'est déjà un nom de star. Exactement. Dakota joue dans le nouveau film, The Dakota Movie Show. Ça va, ça vous plaît le festival? Oh, on est venu juste... Juste pour regarder? Ouais, on se promène. En tant que touriste? Ouais, il y a trop de monde, il fait... Oui? Ouais. Ok, amusez-vous bien. Merci, salut. Comment on fait pour avoir ça, ce badge? Accréditation? Oui, accréditation, comment on fait? Moi je travaille sur un film. Vous travaillez sur un film? Quel ouais. Film? Tuda, Everybody Loves Tuda. Everybody Loves Tuda. You too, you love it? Yes. Vous aimez aussi? Bon, ça fait peur hein, le costume là. Attention, là vous êtes en mission les deux là. Oui. Mission. Eh, hey, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes jolies. Ça va? Bonjour, ça va? Ça va très bien. Good. Good. I don't speak French, by the way. Are you? Who are you? I'm English. Who are you? Yes, I see. You are. You're so beautiful. Thank you very much. Bye-bye. Au revoir. Ciao. Quoi? Que pensez-vous du festival? C'est la première fois sur Cannes? Oui, c'est la première fois sur Cannes. Donc ça fait du bien, c'est bon enfant. Oui, ça va, mais il y a trop de monde. Il y a trop de monde, vous trouvez? C'est un peu normal. Là, je pense que c'est calme encore. Ça va être... pas encore vu tout à l'heure. Ça va, à mon avis, monter d'un cran. Et vous en pensez quoi? Alors moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que l'ambiance est plutôt calme pour le moment. Pour le moment. Les gens sont sympathiques, souriants, il y a le soleil, tout est bien. Et justement, ça ouvre à quelle heure les marches? Ça ouvre à quelle heure? Je crois, j'ai entendu dans 2 heures. Ah, vous avez vu, hein, il y a tous les escabeaux pour se mettre en place, vous avez vu? Ah ok, d'accord. Ouais, je vais vous montrer un truc hallucinant, j'avais jamais vu, je savais même pas, l'histoire des escabeaux. Alors regarde bien. En fait, tu as des échelles, des escabeaux, qui sont accrochés à cette barrière au cas où on va les piquer, au cas où quelqu'un va les chourer, tu vois. Et en fait, tout ça, regarde le truc de fou, regarde. Si tu revends des échelles, tu en as pour des milliers d'euros. Ça coûte cher une échelle. Échelle, escabeau. Et tout ça,
Tu sais pourquoi? Regarde. Comme elle dit la dame, il faudrait faire dégager les gens qui sont là. Regarde, regarde le truc de fou. Comme des bêtes de foire, comme des bêtes aux zoo qui regardent d'autres bêtes de foire. Regarde. Alors l'espérance, c'est pas de gratter un billet, c'est de gratter une photo. Ben oui. Pensez quoi du festival? English? French? Danish? Ah, non. Non, non, non. Ah, also, also from Netherlands, you speak English too, yeah? Either I speak English in Holland. I know, I work in Holland for 2-4 years. Oh, really? Yes. In Six Flags? Yes. Oh, yes. You remember Six Flags? Yeah, we. Meetinghausen. Meetinghausen. Ah, you see, yeah. My Dutch is good, huh? Yeah. It's yeah. Called so Walibi now. Yeah, Walibi now. It was yeah, Walibi before, and then it became Six Flags and Walibi now it's again. Walibi again. I worked there two, so what are you doing two here? Seasons. Oh, because I was. You're an influencer on Instagram. Not really. I'm just doing videos for fun. I like this very much. But I was playing some movies before. So I'm from our team, so I come visit. Ah, and what about you? You like it here? Yes, we do. You come every year? Every year. Every year you see Festival de Cannes? No. Okay. Every year. Every year you come to the south of France? Yeah. Jean Lépin. That's where I come from, really. Jean Lépin, and then now I live in Antibes. Well, no, Antibes also very nice. Yes. Yes. On a retrouvé Tom Cruise et Cameron Diaz en train de faire la sieste au Festival de Cannes 2024. Vous parlez français? Oui. Alors dites-moi, vous pensez quoi du festival? Ben après, moi là, on est sorti avec, je suis sortie avec ma pote. Oui. Pour faire un petit. D'accord. Et vraiment, on a vu des stars, et c'est incroyable. Vous avez vu des stars? Ouais. C'est pas vrai, vous avez vu qui? En fait, on a vu juste une star de Chine, elle s'appelle... Et Yang. Ok. Et Yang. Donc vous êtes contente? Ouais. Vous êtes contente, vous avez fait des photos et tout? Oui. C'est génial. Super. Eh bien, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Salut. Au revoir. Ciao.